Salut, c'est Shunchi, me voici pour ma nouvelle série, enfin une petite série spéciale, 1000 abonnés! Et oui, je suis enfin arrivé à 1000 abonnés, là je suis actuellement à 1009. Et donc là je suis sur la map de Vec, merde, c'est laquelle? C'est là, hop, je prends vite mon petit copieur sur le côté, laissez-moi 2 secondes. Continent style, voilà. Donc c'est une map continent, comme vous avez pu le comprendre. Et le but, ce sera de retrouver, comme toutes les maps de Vec, de survivre d'un premier côté. Donc je suis en hardcore mode, dans le sens où, si je suis mort, c'est la fin. Sur ce que là, je vais certainement mourir, et ça, certainement fin. Le but, c'est de récupérer toutes les laines, sans tricher. Je ne sais pas s'il a mis les règles sur cette map quelque part, certainement là-bas. Alors je vais y aller, mais premièrement, je vais regarder. Oh, voilà. Comme je m'en doutais, il y a certainement des coffres et tout ça. Donc j'ai installé quelques mods pour rendre le jeu plus plaisant. Déjà j'ai installé un pack de textures, comme vous avez pu voir. Alors non, je l'ai correctement installé. Enfin, je l'espère. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai des iron, des jambes quoi. Des awards, Gunpowder, un casque, des. Une houe. D'accord. D'accord. Bon. Et ça c'est de la Dustin Break. D'accord. Donc on va éviter de crever dès le premier épisode. Donc si je survis longtemps, ce sera des épisodes de 30 minutes à chaque fois. Ni plus ni moins. Quoique peut-être plus si je fais des accélérés. Alors si je fais des accélérés, ce sera plutôt pour vous montrer le farm. Ou sinon ça je ferai hors caméra. Bon, tout ça m'est intéressant de récupérer. Donc je m'empresse de récupérer sans mourir noyé. Et au-dessous, il n'y a plus rien. D'accord. Bon, bah, on va essayer de rejoindre cette première zone. Quel mode j'ai installé? J'ai installé le mode ennui, j'ai installé forge bien sûr. Donc ennui c'est pour voir les recettes en cliquant dessus, c'est intéressant. J'ai installé comme vous pouvez entendre un pack de un bruit pour le son, donc c'est Matmos. J'ai installé le mode back tools, donc pour voir un item dans le dos. Un pack de textures, donc avec Optifine. J'ai installé aussi le mode, comme vous pouvez voir sur le côté, qui s'appelle damage environnemental, un truc comme ça. On voit les dégâts et le monstre que je fais, donc c'est pas mal, je trouve. Hop. Et donc, me voici devant les règles. Welcome to Super Hostile Leomaïr. Bye, Vec. Donc, trouve et complète le victimement de la victoire. Utilise facile et jamais peaceful. Donc, je suis en hardcore. Hardcore. Tu ne dois pas quitter la map Boudari. La map, non, je ne sais pas. Trouve la laine et chess et ne pas utiliser les sheep, les moutons, les day, les colorants et les spider silk, et donc et le fil dernier. Survie, anyway. Donc il faut que je survive. Je dois crafter un metal block. Je dois utiliser les piercing, wolf, fourneau, VM. Oui, pour tout ce qui n'est pas laine, quoi. Pour créer la laine. Donc je m'en servir plutôt pour les lits et tout ça. Si j'ai bien compris. This map is first continental map, donc c'est la première map continentale. It's abound sur une décor expérience. Il y a des donjons et tout ça. Spécial merci au type qui a aidé. Il y a trois types ici, A, B, or C. D'accord, moi j'ai dû prendre la A je pense. Il y a des loops dans les chests, des spawners de monstres qui sont aléatoires par rapport à la version A, B ou C. Oui, il y a une contrôle can spawn. D'accord. Ici une act chest or spawn. Différentes letters version have différentes loot spawn, d'accord. Ouais, en gros, c'est ce que je vous ai expliqué. Enfin, essayer de vous expliquer. Bon, je vois là-bas de la bouffe, donc je vais essayer de me nourrir dès le début. Il faudrait aussi que je trouve des arbres pour survivre. Hop, bonjour la vache, au revoir la vache. Donc, je trouve que le mode que j'ai installé, cook and chicken, c'est de la couille, donc je peux la manger comme ça. Ah, du poulet, hop, donc voilà. J'ai tué 3 moutons, donc je vais pas l'utiliser pour tricher, hein, donc pas pour faire utiliser le monument de la victoire, mais bien pour faire mon premier lit, comme ça je pourrais passer les nuits et éviter d'avoir trop de monstres dehors comme ça. Hop.
Les colorants, bah, ça me sert à rien alors. L'île, je sais qu'elle est énorme. Donc voilà, c'est une map continentale. Je sais pas ce que je peux vous parler. Alors pour le moment, il n'y a pas l'impression d'avoir beaucoup de monstres. À mon avis, il doit y avoir plein de cavernes au-dessous. Donc voilà. Premier objectif, c'est de trouver un arbre. Donc pourquoi un arbre? Ben, pour faire des pousses. Hop. Ah voilà, des graines aussi, j'ai récolté quelques graines pour me faire un petit champ et avoir du blé. Il faudra vraiment que je fasse attention de ne pas crever, mais ça m'étonnerait que ça n'arrive pas. Voilà, j'ai commencé vers 19h, donc je dois couper cet épisode vers 19h30. Vous avez vu, j'essaie de faire... je sais rajouter, additionner une demi-heure, je suis quand même doué. Hop. Et reviens mon petit cochon. C'est le porc. Les gros porcs. Et voilà, le gros porc est mort. Hop, donc oui, donc c'est ma vidéo spéciale 1000 abonnés, j'espère que ça vous fera plaisir, c'était pour changer un peu de style, car bon, si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est pas mon truc de faire des trucs survie, ah, des arbres, et donc, ben, j'ai voulu changer, et voir si une série hardcore, ça pouvait vous faire plaisir, donc celle-là, je compte bien la réaliser solo, peut-être que je réaliserai des nouvelles séries, surtout de nouvelles maps par la suite, si vous appréciez celle-ci. Donc comment je saurais si vous les appréciez? C'est tout simplement si vous avez mis beaucoup de gemmes. Donc je me comparerai aux gemmes et au nombre de vues. Car s'il y a peu de vues, peut-être qu'il y a 50 gemmes et 50 vues. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui... Ah, enfin, si j'arrive à déjà attirer 50 personnes sur cette vidéo-là et avoir 50 gemmes à chaque fois, je peux vous assurer que j'en ferai tout le temps des vidéos. Enfin, tout le temps. Ah, en fait, il faisait jour. Et ces monstres-là, ils vont être sous l'eau. Donc je vais récolter un petit peu de bois rapidement. Et je ferai ma maison près du monument de la victoire. Donc le monument de la victoire est quelque part sur la map. Je ne sais pas où à l'avance. Je devrais le trouver. Et je vais certainement me créer mon environnement tout autour. Qu'est-ce que j'ai comme équipement ici? Ouais. D'accord. Ok. Et je vais essayer de récolter quelques pousses. Comme ça, je pourrais déjà commencer à faire vraiment quelque chose. Est-ce que j'ai des pousses sur moi? Non, j'ai pas encore de pousses. Par contre, franchement, c'est sympa quoi. Je commence la série et il pleut. Je peux vous dire que... Ah bah voilà, il pleut plus. Merci la pluie, t'as compris. C'était pour mon super épisode. Donc hop, on va commencer à détruire ma... Ouh, un creeper. Donc j'ai installé un pack de textures, comme je vous l'ai dit. Et j'ai installé le pack de textures Super BDCraft. C'est un pack de textures que j'utilisais déjà avant. Et que je trouve franchement très agréable. Les loups, est-ce que j'ai des os? Non, je n'ai pas d'os, donc je ne pourrais pas vous adopter. Donc n'hésitez pas à me donner quelques conseils pour ma série, car ça fait longtemps que j'ai plus joué en hardcore, des tutos. Et encore, quand je jouais en hardcore avant, c'était avec des mods hardcore, donc genre mots créatures par exemple. Enfin, plein de trucs que je faisais, je sais pas si vous connaissez I Play For You, et j'ai essayé de faire des séries à peu près comme lui. Sauf que j'ai installé mes mods à ma façon, vu que j'avais pas un PC pas assez puissant pour jouer avec la même pack que lui maintenant. Plus tout le cas, je pourrais filmer et rejouer ses saisons. D'ailleurs, je sais qu'il est pas contre lui de que les personnes refassent ses saisons. Donc si vous vous amusez, si vous appréciez vraiment mes vidéos, ces vidéos-là, j'aurais peut-être songé à faire une série et à reprendre une des siennes. Voilà quoi. Hop. Donc il me faut vraiment de la nourriture car à mon avis je sortirai pas tous les jours. Je vais quand même pas tout dévaster et maintenant on est parti pour la recherche de... La recherche du monument de la victoire. Hop, bonjour le poulet, au revoir le poulet. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Ben ouais, c'est tout. Essayer peut-être me lancer dans mon premier donjon aujourd'hui. Ou peut-être... Ouais. Je vais quand même essayer de faire quelque chose d'interactif car là... Je suis pas sûr que vous vous amusez grandement en faisant ça. Toi le loup, t'as mangé du mouton. Ça se voit ton appétit. Mais franchement, je trouve que le mode est vraiment pas mal. Celui que j'ai installé qui voit sheep, wheat, survit. En plus, vous voyez, il a trois petits. Il a vraiment le mouton à côté de moi. Ouais. Il a trois petits sourires, trois petits smiles. Ça veut dire que c'était un monstre allié. Dans le sens où il n'est pas agressif, il n'est pas hostile. Oh, un creeper. Un creeper. Je n'ai plus peur des creepers. J'ai eu peur du creeper. Ah,
Alors je vais vérifier quelque chose. Option. Ouais, ça c'est bien. Ah non, non. Video City. Voilà. Voilà. Donc comme ça, c'est pour vous faciliter. Donc pour faciliter la vue, comme ça, voilà. Est-ce qu'il me drop du cuir? Oh, je vais seulement drop un cuir. J'ai quand même déjà. Ouais. Ça fait peur celui-là. Faudrait que je fasse attention car j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'armure pour le moment. Et j'ai surtout plus de bouffe donc ma vie ne va plus remonter tout de suite. Alors la question c'est est-ce que je m'installe déjà à un endroit ou est-ce que je cherche encore le monument de la victoire? On va essayer de sortir de ce chunk d'abord. De ce chunk, comment ça s'appelle encore? Une zone. Un zombie là-bas. Avec une araignée. Il faudrait que j'arrive à sortir de ce biome. Voilà, c'est un biome que je voulais dire. Car oui, le type qui a créé la map l'a quand même fait ce biome. Et donc voilà. Je pense que les melons, les plantes comme ça, ou il y a des graines de melon? Je pense qu'il y a des graines de melon. Donc franchement, il faudrait que j'évite de mourir dès le début. Car bon, c'est quand même mon épisode 1000 abonnés, je répète. Donc je suis aujourd'hui en fait à 1009. Je m'attendais pas que mes abonnés viennent d'un coup car j'étais à 980 et puis je me suis endormi, je me suis réveillé, hop, 1000 abonnés. Donc en une nuit j'ai gagné 20 abonnés alors que d'habitude j'ai une moyenne de 2-3 abonnés, c'est pas énorme, ça va pas très vite. Enfin, ça va pas très vite. C'est pas long non plus, hein, mais je veux dire, je pouvais pas attendre à gagner un afflux d'abonnés comme ça. C'est risqué de passer par là. Vous avez vu tous les monstres? Donc ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui pensent que je m'arrête avec la série de Fifoux, non, non, c'est juste vraiment un spécial 1000 abonnés, donc c'est sur le côté quoi. Hop. Allez, petit porc, petit cochon. Ouh, j'ai fait du 10, c'est le pauvre. Ouh. Ouh. Je vais pas m'arrêter. Aïe, 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 aïe. Si ça rend mal, je m'enterre. Je m'enterre. Voilà. Donc là, on voit strictement rien. Moi non plus. J'ai pas du charbon, bien sûr. J'ai pas du charbon. J'ai pas de cobble. Donc on va. Voilà. Là, il y a de la cobble. Et on va commencer à se faire un petit équipement. Et on ressortira le lendemain matin. En sûreté, le temps que. Bah le temps que la nuit passe tout simplement. Tac tac tac. Hop là. Allez, c'est parti. Alors l'idéal serait de trouver bien sûr un peu de charbon. Mais bon, là je me fais pas trop d'illusions sur ce, car bon, déjà que je suis en vie, c'est déjà pas si mal, je trouve. Par contre... Ouais. Est-ce que j'ai assez de cobble? Pas encore. Ouais, je vais casser ma pioche en bois. En creusant vers le bas, peut-être que je vais trouver un donjon ou une source de minerai ou je sais pas trop quoi. Car à mon avis, vu que cette map a été créée entièrement par Vec, donc Vec, enfin le type qui fait les maps ultra hardcore, enfin hardcore quoi. Donc j'imagine qu'il a piégé le truc de partout. Ça tombe, vous voyez, tous les spawns, tous les monstres qu'il y avait dans la, dans la plaine, c'était peut-être des monstres qui venaient avec de comment ça s'appelle déjà, de spawner. Car à mon avis, ça n'étonnerait pas de sa part qu'il ait piégé tout sur le sol de sa map et qu'il ait mis plein de spawners. Donc en fait, peut-être que c'est déjà un challenge en soi de d'être encore en vie maintenant à l'instant. Peut-être que des personnes sont déjà mortes alors qui est, mais bon. Hop. Donc là, ça va faire plus ou moins 20 minutes que je suis avec vous et j'ai pas fait grand chose d'intéressant, mais c'est le premier épisode donc peut-être que j'en uploaderai deux. Faudra voir. Ouais, non, j'ai pas encore cassé ma pioche, j'ai dit que je remontais car j'avais cassé ma pioche. Ça tombe, il y a du charbon sur tous les murs et que je vois rien du tout tellement qu'il fait noir. Mais ça m'étonnerait. Peut-être qu'il a pas mis de charbon dans le sol. Oh. Peut-être qu'il y a que de la cobble. Oh, il serait assez diabolique pour faire ça. Oui, certainement.
Peut-être que il faut juste trouver le charbon et tout ça dans les coffres. Je suis sûr que Sip c'est un fou malade dans sa tête, il est pas bien quoi. Oh! Oh non, c'est mon établi. J'allais dire, regardez, il y a du fer. Mais non, en fait, c'est mon établi. Je suis pas encore habitué au pack de texture, hein. Car ça fait longtemps, longtemps que j'ai plus joué avec un pack de texture, mais bon. Je me suis dit que pour un épisode spécial spécial 1000 abonnés, je pense que vous le méritez bien. Ouais, il y a de la lumière. Je me vois clair. Tac 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 tac. Alors des tac 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 tac, vous en aurez la blinde. Ah, j'ai un voiturier Twix aussi que j'ai installé. Comme vous pouvez le voir. Ouais, comme ça, ma bouffe qui va arriver. Oui, non, c'est des bûches pures qu'il faut cuire. Hop. Et ça me fera déjà ça. Ah oui, non, ça cuit mal, ça, c'est vrai. Oh là. Un petit repas, ça fait du bien à l'estomac. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Donc, je vais peut-être déjà me faire mon lit et peut-être passer ma première nuit. Donc, j'espère que j'ai bien traduit, hein, car je suis pas spécialement bon en anglais. C'est pour ça que je vous ai pas spécialement fait une lecture détaillée, car j'ai peur que. Soit que je dise que de la merde, soit que vous ne compreniez rien du tout, tout simplement. Donc, j'espère que je peux bien faire. Oh, il y a des monstres pas loin, j'avais oublié cette règle. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dormi aussi. Hop, allez. Avec 4 torches, on peut aller là. Une torche ici. Une torche encore ici. Et c'est fini. Alors il faut vraiment que je trouve du minerai, hein, surtout du charbon. Le charbon, je pense que sera la matière la plus demandée. Ah, du charbon! La plus demandée pendant toute la saison. Pourquoi? Car tout simplement, il y aura beaucoup de zones noires dans le noir que je devrais éclairer pour pouvoir avancer en sûreté. Après, je devrais certainement aussi utiliser un arc. Et donc avec mon arc l'enchanté. Pour ben, tout simplement pour pouvoir tuer de loin les monstres, car il y aura certainement des ghasts sur l'île. Les ghasts, donc les fantômes blancs là. Je dis ça car peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis, tout simplement, car je sais que je ne prononce pas spécialement tout avec le bon accent ou avec les bons mots. Je le fais souvent à ma sauce. Vu que pour moi, ben, je me comprends, donc j'ai pas besoin de me le dire, mais pour vous, c'est autre chose. Donc vers 25 je dois sortir de la grotte. À mon avis je vais faire un épisode plutôt jusqu'à 35. Hein. Ouais, plutôt 35. Alors des épisodes de 30 minutes environ, j'espère que ça vous suffira et que ça vous plaira. Alors si vous aimez cette série, et il faut que vous voulez que vous me disiez si vous voulez que je ferme. Donc que je donc attendez. J'ai essayé de me rapprocher de cette source de lave sans mourir. Ok. Donc je répète. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je vais rien répéter. Oui, si, si. Il faut que vous me disiez si vous voulez que je fasse le farm. Donc par exemple là, toute la descente dans la grotte. Tout le tunnel que je viens de faire là. Hors caméra. En accéléré, normal. Est-ce que je fais des épisodes de 30 minutes, 45 minutes, 20 minutes? Donc 20, attendez. Non, c'est des épisodes soit de 15, soit de 20, soit de 30, soit de 45. Donc ça, je vous laisse le choix. Je ferai pas plus, peut-être 1 heure. Je sais que je peux aussi faire du stream maintenant. Donc je peux peut-être streamer les épisodes de temps en temps, une fois par semaine, par exemple. Le vendredi ou le samedi. Non, pas le vendredi, plutôt le samedi. Ou peut-être le vendredi. Enfin, je sais pas, un jour sur la semaine.
faire donc un stream d'une heure par exemple pour vous montrer mon avancement et donc faire mon aventure comme ça et donc peut-être pas les remettre sur YouTube après aussi peut-être mettre les lives sur YouTube ensuite comme ça sera un peu différent. Enfin voilà donc n'hésitez pas si vous avez une proposition à me faire quoi que ce soit je suis tout ouvert je vous écoute vu que d'ailleurs c'est pour vous que je fais cette vidéo un peu spéciale vu que c'est pour mes 1000 abonnés. Donc vous, mes 1000 abonnés, je vous remercie à vous être abonné à ma chaîne. Enfin, je dirais même à mes 1009 abonnés, vu que je suis aujourd'hui à 1009. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de tout doucement en train d'augmenter un stack de charbon. Donc il commence à se faire tout doux, mais avec 16 charbons, on peut se faire un stack de torches. Donc avec 4... attends, enfin avec un stack de charbon, on peut se faire 4 tacs. Bah, il y a 4 stacks de torches vu qu'il faut faire x4 vu que par charbon on peut obtenir 4 torches donc voilà j'ai fait mon savant en montrant des calculs que tout le monde sait faire mais je tenais à les faire donc à mon avis je vais certainement sortir de cette grotte après avoir cassé ma pioche il n'y a rien à récupérer par ici ce bloc là j'aimerais bien l'avoir quand même hop parfait. Est-ce que j'ai rien oublié? A priori, non, je n'ai rien oublié par ici. Hop, je vais prendre le croisement plutôt quelque part dans le genre ici. Et je vais commencer à descendre de ce côté-là. Même si, à mon avis, je devrais remonter d'ici peu, vu que j'aurai bientôt plus de pioches. Alors, le son, je pense que je vais l'augmenter à 20. Hop, donne. Voilà, j'ai plus de pioches, on remonte. Donc pour l'instant je peux pas trop me permettre de gaspiller des ressources car tout m'est utile et rien ne m'est inutile. Donc voilà. Je vais sortir. Oh! Monsieur Creeper, que faites-vous dans ma galerie? Qu'est-ce que vous faites à tout péter? Fucking Creeper. Les Creepers ils sont ouverts, ils me font pas peur mais ils font tout péter. Ce sont pas des types sympas, les creepers. Ce sont pas des types à fréquenter, les creepers. Ok, je suis en train de déconner. Les creepers. Ah, pardon. Donc là, je vais déjà acheter mes premières ressources qui me servent à rien. Le sugar me servira précisément à rien. En tout cas, dans l'instant, il me servira à rien. Aussi, peut-être, il n'y a peut-être pas de sucre, de canne à sucre sur la map. J'en sais rien. La cookie va me servir à rien, par contre. Il faut pas que je m'encombre de trop de trucs, quoi. Ça me sert à rien. Je pourrais en retrouver dans la nature. Ça, je pourrais certainement encore m'en servir. Si, j'en aurais besoin. La rotten flèche, non. Les flèches, oui, ça non. Le cuir, oui. Black wool, non. Est-ce que j'ai récupéré mon lit? Oh. Ah oui, j'ai récupéré mon lit ici. Hop, il faut encore que je crée de nouveaux outils. Enfin, de nouveaux. Refaire une pioche, dans un premier temps. Voilà, une pioche. Et dans un deuxième temps, me faire une... Me faire une hache, voilà. Je vais aussi me faire quelques torches. Hop, voilà, 55 torches devrait me suffire pour un petit moment. Je récupère la bouffe, car ça sera très important pour toute la série. Je devrais faire très attention à la bouffe. Car vu que je suis hardcore, je peux mourir de faim. Voilà. Et... On va tenter une sortie. Alors, je voudrais avoir un truc plus dégagé. Et on sort. Hop, hop. Il n'y a rien. Et normalement, il y a la plaine pas très loin. Alors, on va servir de la cobble pour sauter. Il y a une plaine par là.
À votre avis, par là ça sert pas mal, hein. Hop. Youhou! À mon avis, je devrais aussi certainement aller dans le Nether. Contre, je sais pas si je dois créer le portail moi-même ou si un portail pré. Oh, tout ça, je peux pas gaspiller. Oh, tous ces moutons, je peux pas les gaspiller. Viens dans mon ventre. Tu seras mon 4 heures. Hop. Oh! Eh, hey, oh! C'est le premier mouton. Il faut absolument que je trouve ce. Je sais qu'il y a des coffres et tout ça sur la map, donc faut absolument que je trouve le tout. Ça promet quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus. Non, rien, c'était juste du feu. Oh non, là il y a un petit trou. Juste de l'eau ici. Oh, je suis déçu. Vu l'attention qu'il y avait avec le. Bon, je vais pas récolter ça maintenant sous l'eau. On va profiter du jour pour courir. J'ai pas vu comme c'était fait ici. J'aurais bien cru qu'il avait mis un. Qu'il ait planqué un coffre pas loin. Dire que je suis censé trouver toutes les laines. Fou, ça va être dur. Oh! Une forêt à chevelu. De la canne à sucre. Donc j'aurais pu jeter ma canne à sucre. Il y en a assez sur la map. Donc la canne à sucre, c'est pour faire les livres de certainement ma future bibliothèque pour enchanter mes items. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Non, y a rien. Ah! Là! Non, rien. Non, rien. Je suis sûr qu'il a planqué des trucs, mais. À mon avis, il a pas pu faire tout de la map non plus. Il a dû charger en partie naturellement, donc il est pas repassé sur tout. Voilà. À force de creuser comme un con, je vais mourir. Technique pour récupérer son oxygène sous l'eau, on crée une on place une torche et le peu de temps que la source que la torche est posée, la source d'eau disparaît et ça nous permet de respirer un petit coup. Mais regardez, vous avez vu, à chaque fois il fait des trous comme ça. Enfin, c'est peut-être pas lui une note, hein, c'est peut-être pas lui. Allez, il faut que je trouve. Oh, là-bas, vous avez vu, il y a quelque chose, une structure. À mon avis, c'est là que je vais m'installer pour commencer. Et donc, je pense que je vais vous laisser sur cet épisode sur une fois que j'aurai atteint cette zone. C'est peut-être le monument de la victoire en note. C'est peut-être juste un donjon aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça descend et ça monte. On va commencer par monter pour savoir ce qui se trouve là tout en haut. Donc là je suis entouré de verre, hein, si vous voulez pas remarquer. Donc les chunks sont en train de charger. Avec contrôle je peux faire un petit zoom. Là-bas je devrais jeter un coup d'œil. Ouais. Et là-bas, c'est là-bas que je viens. Bon, je vais certainement m'installer ici pour mes premiers jours. Ouais, je pense que c'est comme ça. Alors, une question. J'avais hésité à installer le mode. C'est le mode Raise Minimap que j'avais hésité à installer. Alors, moi, ça me dérange pas de jouer sans. Ça me dérange pas non plus de jouer avec. C'était plutôt pour vous, pour voir si vous trouvez ça trop cheaté. Ou pas. Hop. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire en fait une petite zone safe. Alors, j'ai pas oublié de mettre de la lumière. Hop, et je vais m'installer ici pour mes premières nuits qui vont s'avérer certainement
bien utile, donc je vais carrément bien m'installer, hein. Ce sera ma maison, mon entrepôt. Je vais chercher un peu de bois et après je visiterai avec vous les grottes. Donc les grottes, le truc vers le bas au prochain épisode. Donc je finis par m'installer une petite porte à ma petite maison. Hop. Dans le doute, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un monstre qui m'attaquait. Hop. Tac, tac. On se fait sa petite porte. Hop. Alors, j'ai l'éclairé dehors pour pouvoir la repérer de loin. Si je vois que. Enfin, normalement, ça devrait me suffire. Hein. Je suis pas assez autiste pour manquer un truc pareil. C'est mon. Mais c'est ma maison. Hop. Je dors comme ça, j'ai un point. Ah non. Ouais, en fait, non, j'étais pas obligé de dormir vu qu'au final, je ne pourrais pas respawn. Vu que si je meurs, je meurs. Enfin, si je meurs, je meurs. Oui. Si je meurs, je meurs, bien sûr. Vous allez me dire que si vous mourrez aussi, bien sûr. Je veux dire. Que je n'aurai plus de respawn. Par contre, je n'ai pas besoin de tout sur moi en permanence. Donc, on va se créer deux petits coffres. Et je vous laisserai sur ça. Hop, on place les deux coffres. On met tout ce qu'on n'a pas besoin dedans. Ou qu'on n'a pas besoin pour le moment. Car on a besoin de tout au final dans cette série. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non. Ah non, le bois, si, j'en ai besoin. Ça non. Ça non, ça non, ça non. Et voilà. Donc les amis, je vous dis salut et à prochaine pour le prochain épisode de la série spéciale 1000 abonnés. Allez, salut, bye.